Je suis Lucien de Coach for Life. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'avoir des fesses en acier en 5 minutes par jour. 5 minutes, c'est pas beaucoup. Si vraiment vous avez envie de progresser, on se donne un mois ou deux, 5 minutes par jour. Et ça, c'est du béton. On y va? Dans cette vidéo, vous allez voir 5 mouvements qui vont durer chacun 50 secondes. On aura 10 secondes de récup entre chacun des exercices. Notre premier mouvement, on y va tout de suite ensemble. Pas vraiment besoin de s'échauffer. Tac, tac, c'est parti. Pliez vos jambes, poussez les fesses vers l'arrière. Levez la poitrine, là vous êtes en place. On décale l'une des deux jambes. Tout le poids du corps dans une jambe. Levez, posez. Levez, posez. Ici la cuisse de la jambe d'appui va chauffer. La fesse de la jambe d'appui et le côté de la fesse de la jambe qui monte. Votre mission, engagez le centre du corps pour bouger le moins possible au niveau de votre jambe d'appui. En haut, en bas. En haut, en bas. Une abduction de hanche. On charge les petits et moyens fessiers. En haut, en bas. Pas très très dur, pas très cardio, mais hyper efficace pour être super tonique dans notre petit gym. En haut, en bas, en haut, en bas. Allez, faites-le avec moi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Est-ce que vous pensez que vous arriveriez à monter un petit peu plus haut en gardant la pointe de pied légèrement vers le bas? Et je sais pas vous, mais moi là, je crois qu'il y a le feu dans ma jambe. Haut. Bas, récup, 50 secondes, ça passe vite. Pliez les jambes, on y va pour la deuxième jambe. On décale, on lève la poitrine, on engage le ventre, pied vers le bas, c'est parti. En haut, en bas, en haut, en bas. Décalez légèrement le poids du corps, levez votre talon, contrôlez. Si vous avez bien fait la première fesse, et bien vous sentez déjà très très fort sur cette fesse-ci. En haut, en bas, le plus haut possible à chaque fois. Ça, soufflez en montant, trouvez la brûlure dans la cuisse de la jambe d'appui, la fesse de la jambe qui monte, on y va, un petit peu de courage, il reste une vingtaine de secondes, même pas. Il faut juste penser résultat, la tonicité et des fesses super dures, on veut que ça. En haut, en bas, en haut, en bas, plus haut si possible, génial. Allez, faites-le, montez, contrôlez. Super. Troisième mouvement. Alors, je vais vous sur le dos sur un tapis au sol. Positionnez votre regard vers le ciel. Poussez dans les mains. Talons juste à l'extérieur des hanches. Et là, vous allez lever vos fesses. Je veux qu'on contracte exprès les fessiers et exprès le ventre. Descendez, poussez, ouvrez les genoux. Descendez, poussez, ouvrez les genoux. En bas, en haut. En bas, en haut. Quand vous arrivez en haut, essayez de forcer la contraction dans vos fesses. Tirez les genoux vers l'extérieur et trouvez la brûlure dans vos fessiers au maximum. En bas, boum en haut. En bas, boum en haut. Pas. Qui veut les fesses dures? Moi, moi, moi. Bas, haut. Si un jour il y a trop de facilité à faire ce mouvement, rien ne vous empêche de rajouter de la charge sur votre bassin. On peut tout faire. En bas, en haut. Ou alors, tirez plus fort dans les pieds pour engager davantage l'arrière des cuisses et les fessiers. Quatrième mouvement. On se retourne. On se met face au sol. Vous allez venir sur vos coudes ou sur les mains. Au choix. Moi, j'aime bien les mains. Allongez la colonne vertébrale. Levez une jambe. Pointe de pied vers le bas. Vous regardez devant vos mains. Et petit coup de talon vers le haut et l'arrière. C'est tout. Vous allez chercher le plus haut possible avec votre talon. Vous faites comme si vous vouliez allonger votre corps. Et contractez volontairement votre fesse. En haut, en haut. Si vous voulez travailler davantage sur le côté de la fesse, il suffit juste d'ouvrir un tout petit peu votre pointe de pied vers l'extérieur. Et là, vous allez trouver de la brûlure davantage dans les fessiers et la taille. Ok? Si vous voulez davantage travailler l'arrière de la cuisse, hop, vous revenez de face. Et vous levez le talon avec la pointe de pied vers le bas. C'est tout. Le plus haut possible. Et ça, ça peut se faire partout, à n'importe quel moment de la journée. 5 minutes. On transpire pas beaucoup et on durcit. Génial, non? Génial. Stop. Deuxième jambe. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Un vers l'avant. Allongez la colonne vertébrale. Serrez les fessiers. Levez. C'est parti. Petit coup de talon vers le haut. Abdos contractés. Essayez de me trouver la grosse brûlure sur l'arrière de votre cuisse et votre fesse. N'oubliez pas, le travail est aussi dans les abdominaux et dans le côté de la fesse, vous ouvrez légèrement la hanche en mettant la pointe de pied vers le ciel. Ouais, ou au moins parallèle au sol.
Et moi j'aime bien comme ceci pour travailler davantage derrière des cuisses. Bon, on transpire peut-être un petit peu quand même en fait. Non? Enfin moi oui. Tirez le talon vers le haut, contractez les fessiers volontairement. On y va, faites-le avec moi. 5 minutes par jour. 2 mois, fesses dures. Essaye. Ça vaut au moins la peine d'essayer. Waouh! Excellent travail, messieurs-dames. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir progresser, que vous allez vous sentir entraîné par la chaîne YouTube Coach for Life et que vous aurez envie de suivre mes vidéos au quotidien. On s'abonne, on like, on partage. Merci beaucoup tout le monde.